Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 265 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Sino Evil. Ne vois pas le diable, des choses comme ça. Ne pas voir le diable, je ne sais pas. Est-ce que ça s'appelle comme ça? En tout cas, on peut jouer à la manette pour l'instant. Donc on va faire un new game dessus. J'ai eu un tout petit peu de mal voilà, la première fois que je l'ai lancé, mais maintenant tout va bien. Donc c'est parti pour ce Sino Evil. Je ne sais pas s'il y a une cinématique. First, en anglais. Foremost, ignorance is bliss. Wisdom is just getting a grip on a persistent dissatisfaction. Grasping that action towards understanding is hopeless. So keep your eyes closed, it's easier that way. I promise. Elle dit de fermer les yeux, je sais pas quoi là. See no evil. Avec une belle barre rouge en plein milieu d'un œil. On pouvait pas mieux trouver un meilleur symbole. Alors, raconte. Dreams. Alors là, je suis dans un rêve. J'appuie sur A, ça fait ça. J'appuie sur rien d'autre, ça fait ça. Bon, voilà. Sur A, ça fait ça. On peut se déplacer avec la manette, ça fonctionne. Je vous le garantis. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quelqu'un qui est mort. Oh, un livre qui vole. Alors par contre, je me fais pas chier à lire le texte parce que je sais pas lire l'anglais. Enfin, voilà. To whom it may concern. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'on essaie de me dire. To the dissatisfied, the black sheep. Le mouton noir. Pour moi, c'est ça, un black sheep. Oh oh. Oh oh, ça pue le truc où faut réfléchir à donf. C'est un truc où faut réfléchir. Est-ce que je peux lui péter sa gueule? Alors, on va... Est-ce que je peux lui péter sa gueule comme ça? Non. Ah non. Ok, donc il faut pas que je lui pète sa gueule comme ça, faut juste que je me barre comme ça. Le mec il me voit pas. Tranquille. 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 Bah. Bah. If you are out there, please pull truth. Ok. Pour l'instant, c'est easy money. C'est du puzzle, hein. Apparemment, c'est du puzzle. Oh putain. Where are you wandering, little footsteps? Parce que sinon je peux y aller, je sais pas du coup. Ok, continuons, ils essayent de nous expliquer, donc on peut pousser les nuages, on peut faire des choses comme ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça. Ok, il m'a tué. Alors, we must scream soon on this world. We must use it. Est-ce que je peux crier là-dessus? Est-ce que je peux lui crier sur la gueule? Non.
Donc faut déjà que je mette ça là. Ouh, casse-toi. Il m'a pas tué. Je t'ai niqué, gros. Oh putain, un vieux pépé. Quiet. Ok. Je crois bien que c'est un aveugle que je contrôle en fait. Ok. Donc il a un niveau d'oreille. Ou alors c'est eux qui ont pas, c'est eux qui voient rien en fait. C'est pas moi, c'est eux qui voient rien. C'est pour ça que je peux passer à côté d'eux. Oh d'accord, c'est mes pas qu'on voit en fait. D'accord, donc quand je me déplace, c'est mes pas. Donc, si mes pas font du bruit, je suis dans la merde. Oh putain de merde, ta mère en slip. Oh, mes pas, ils font un bruit, quoi. C'est un truc de ouf. Donc il faut que j'aille ici pour appuyer sur le bouton. Et que je passe là-haut. Allez, allez. C'est moi ou j'ai un problème de synchro vertical? Ce jeu se fout de ma gueule, non? Est-ce que ce jeu se foutrait pas un petit peu de ma gueule? Je sais pas. Un problème de... Ouais, non, il n'y a pas de synchro vertical par défaut dans ce jeu. J'ai bien l'impression que quand je me déplace, il y a un petit problème. Bon, tant pis, j'espère que ça se verra pas trop. Qu'est-ce que je suis censé faire? La tirer autre part, c'est ça? Je la tire autre part. Ça va me permettre d'appuyer sur lui. Oh putain, il retourne à sa place. Ouh le bâtard, il est retourné à sa place. Comment je fais, moi, hein? Restart level. Bah ouais, j'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, attends. La logique que je dois adopter. C'est de pouvoir attirer lui ici. Tout en permettant ça. Et en l'attirant... ici. Il me permet de passer. Et d'aller voir lui. Qui me permet pas du tout de passer. Voilà. Ouh. On va y arriver.
Hop. Et de repasser par... Ce truc se fout de ma gueule, j'ai l'impression. Ah merde, c'est quoi la logique? Je suis un handicapé. Alors attends. Je dois libérer les bleus. Donc il faut juste que, normalement, lui... On mène là. Sauf que lui, il me bouffe le cul. Donc il faut que je l'attire. Comme ça il est bloqué, il peut pas revenir normalement. Et donc je peux y aller tranquille. Waouh. Et ouais, fallait être intelligent hein, pour trouver ça. Fallait s'appeler Houdini mon petit. Et encore. Alors là j'ai de la logique. Là il y en a beaucoup moins. Ah, il m'a démonté le cul. Je pensais pas que je pouvais... Ah, mon dieu. À tel point de me faire me démonter le cul. Faut l'envoyer depuis très loin. Est-ce qu'il est sérieux, le mec? Alors, il faut qu'on aille appuyer sur lui. Ok. Admettons, hein. Admettons que je fasse tout ce que je suis en train d'essayer de faire. Putain, c'est long. Ah, vas-y, pousse. Pousse. Et puis pousse. Ok, je peux pas le tirer comme ça. Ok, normal, hein. On va y foutre dessus. Ok, je peux pas. On est d'accord. Si on peut pas pousser, on tire. Donc je le fais comme ça.
Le mec il voit rien, le mec il voit rien. Je suis silencieux parce que je veux pas qu'il me... Hein. Faudrait pas qu'il me... Hein, qu'il me trouve. Oh oui, je vais arriver à faire ce level. Oh oui. Ah mon dieu, c'est des trucs casse-tête comme j'aime pas du tout. Oh. Succès déverrouillé. Ignorance is... Is quoi? Is bliss? A friend Hans told me. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas un niveau pareil, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Si c'est un vrai niveau, ils vont se faire foutre. Hein. Mmh. Ah d'accord, je gagne des succès. Deux succès. Freedom. C'est marqué ça au mieux. It's beautiful. It's beautiful. Je crois bien qu'il y a quelque chose qui est marqué au milieu, au fond. Consider this. Ignorance was bliss. Melody. Oh, une belle fleur. Non, on s'en fout complètement. Ok, on va passer là. Est-ce que c'est un vrai level? On va regarder juste ça. Ah, il est dans les vrais ennemis. Donc on va arrêter le délire. On va arrêter ce test là. En tout cas, vous avez vu le principe. Le principe est de jouer sur le silence. Les plantes apparemment font du bruit. De jouer sur le silence, puisqu'en fait, nos ennemis ne voient rien du tout. Oui, voilà. Ne voient rien du tout, ils ne font qu'entendre, donc s'ils nous entendent, c'est foutu. Voilà, donc comme on est handicapé, on peut pas se battre. Donc voilà, faut vraiment, s'ils nous entendent et qu'ils nous attrapent, c'est mort. Ils ont l'air de courir moins vite que nous, donc sur une distance, on peut quand même les avoir, mais bon. Un petit bruit sympa que j'entends au fond. Il doit y avoir des trucs qui font du bruit plus loin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, Stage One. Salut!